Amis passants, amis lecteurs, je vous donne bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qui m'a chamboulée. Je crois que c'est la plus belle nouvelle que j'ai lue de ma vie. Elle se nomme « Inconnu à cette adresse ». Max et Martin sont amis. Ils tiennent une galerie d'art à Berlin. Mais Max décide un jour de s'exiler car la guerre éclate, qu'il est juif et qu'il voit la menace d'Hitler qui lui fait sombrement peur. Commence alors une correspondance entre les deux hommes. Mais Martin va se radicaliser et adhérer à l'idéologie fasciste du dictateur. Va naître alors dans leurs lettres une incompréhension et une césure qui ne pourra jamais se refaire. La nouvelle écrite en 1938 par Kessman Taylor est incroyable. Elle exprime tout ce que le régime nazi a cassé, des amitiés, des familles, pour laisser place à ce qu'il y a de plus noir, l'horreur, la destruction, la haine et la vengeance. Il est impossible de ne pas être touché par cette histoire, tant elle est à la fois propre à cette période et universelle dans le sentiment de trahison. Cette nouvelle ne fait que 90 pages et il est impossible de ne pas la lire. Vous devez de la lire. Vous pouvez la retrouver dans la bibliothèque, dans la librairie, l'emprunter à la bibliothèque de votre quartier ou bien l'acheter, elle est toujours en vente, mais c'est un classique que tout le monde doit connaître. Tant c'est beau, profond et que ça parle de l'humanité. Je vous laisse découvrir cette merveille qui se trouve dans la petite librairie du 14 rue Neuve à Tournai. Au plaisir de vous retrouver très vite. Je vous embrasse.